Chers supporters des Lions, je m'adresse à vous avec beaucoup d'émotions associées à la tristesse. Tristesse parce que tout Camerounais digne de ce nom, patriote, qui supporte les Lions indomptables, qui est la seule chose qui nous reste, je le disais dans mon précédent vidéo, quand nous voyons ces valeureux Lions sortir tête haute face au Brésil, le quintuple champion du monde, avec ce score de 1-0, but marqué une fois de plus par le capitaine Aboushou, Awaka Vincent, qui fait la fierté de tout le Cameroun et de toute l'Afrique, parce que nous avons collecté des informations, glané les informations ça et là. Et il va de soi, il va sans dire que Aboubacar Vincent a fait la fierté du continent africain en s'imposant déjà au match contre la Serbie, où il a eu l'occasion de marquer un but, la louche. Nous avons souvenance. Et voilà encore cette fois-ci avec une merveilleuse tête. Et cela nous permet de revenir. De revenir, d'être considéré. En tout cas, l'histoire gardera que nous avons, à la Coupe du Monde au Qatar 2022, gagné le Brésil par un score de 1-0. Alors, la Coupe du Monde, voyez-vous, c'est une compétition de haut niveau. Et vous voyez très bien que c'est dans les détails que tout se joue. Et ce détail, c'était lors du match, le premier match contre la Suisse. Et nous ne savions pas, c'est vrai, on ne peut pas condamner le staff technique qui est jeune, avec Rigobert Song, qui est pour la première fois dans l'histoire du football camerounais, le premier Camerounais à occuper ce poste à ce niveau de compétition. Donc, en même temps, nous n'allons pas sanctionner Rigobert Song et son staff technique, ses collaborateurs tout autour de lui. Parce que c'est pour lui une toute première expérience. On peut même dire un coup d'essai et un coup de maître à partir du moment où nous avons réussi à ramener au pays 4 points, 4 précieux points qui va certainement influencer notre classement au niveau mondial en ce qui concerne le classement FIFA 2022. Mais seulement, je le disais encore dans le précédent vidéo, que nous devons faire la part des choses parce que la Fecafoot et son président Samuel Eto'o devaient finalement se ressaisir et réorienter sa position par rapport au système d'intervention et d'accompagnement, par exemple, de tous les autres compartiments du football camerounais. Et ma foi, si au-delà de sa volonté, à vouloir très bien faire, à mettre à la disposition du staff technique et des joueurs les meilleures conditions pour leur permettre de mieux s'exprimer, il est plus intéressant également que notre président de la Confédération, de la Fédération camerounaise du football puisse prendre du recul et par rapport à son degré d'implication dans les décisions opérationnelles qui, ma foi, devraient appartenir à notre staff technique. Rigobert Song, qui est le sélectionneur manager, et autour de lui, nous avons un adjoint et tous les autres techniciens qui sont largement expérimentés pour conseiller Rigobert Song afin qu'il réalise les meilleurs résultats. L'échec vient de ce faux pas de départ contre la Suisse, où des jeunes garçons comme Ebossé, comme Christophe Aouo, et la surprise de la Coupe du Monde, ce jeune gomme. Et finalement, je reviens sur cet incontournable Vincent Aboubacar, qui a d'ailleurs reçu la lettre de félicitations du président de la République à titre individuel et qui peut se traduire sur le collectif. Donc, nous comprenons qu'Aboubacar Vincent, s'il avait eu plus de temps de jeu, et nous tous, ce soir, on devrait être dans l'allégresse et dans la joie totale de participer
au huitième de finale. Donc, à l'endroit de Samuel Eto'o, qui laisse cette équipe technique, le manager Rigobertson, continuer son travail avec un peu plus de liberté et plus de possibilités de prendre des décisions techniques de façon autonome, sans son influence, sans son ingérence. Et à l'endroit de Samuel Eto'o, oui, nous avons écouté le point de presse, le point de conférence de son Rigobert Banac, qui a apprécié l'accompagnement de proximité et productif de Samuel Eto'o fils. Mais Samuel Eto'o fils devait prendre conscience que, au-delà de l'équilibre qu'on cherche à instituer au cœur des joueurs camerounais, qui doit refléter le peuplement et la composition sociologique du Cameroun, parce que aussi le Cameroun, c'est ça, le fighting spirit, ce n'est pas seulement pour les joueurs, le fighting spirit, c'est également au niveau de l'équité, du choix, l'espoir des représentants, des ambassadeurs du Cameroun lors des compétitions internationales comme la Coupe du Monde. Et cela permet à tous les Camerounais d'être mobilisés et d'être en liesse derrière leur équipe nationale, pas seulement une partie du Cameroun, parce qu'on a lésé d'ici là ses représentants. Donc nous devons avoir des ambassadeurs représentants des différents coins, n'est-ce pas, du pays, pour que l'émulation et le patriotisme y soient totales. Donc Samuel Eto'o, il faut tirer la leçon de cet événement. Ça ne sert à rien de rester dans une logique de je veux être le seul à avoir marqué 3 buts lors d'une Coupe du Monde. Je ne veux pas avoir après moi. Et ça, c'est une mauvaise impression, parce qu'en analyse, c'est ce que beaucoup de Camerounais pensent. Et moi particulièrement, je suis convaincu que il faut se départager de cet égoïsme-là, parce qu'on ne peut pas en même temps avoir la volonté de vouloir bien faire et empêcher que ces jeunes puissent s'exprimer et puissent réaliser de meilleures performances, plus que les doyens qui sont passés par là. Sinon, les Roger Mida, les Koundé, Emmanuel, les Thomas Nkono n'auraient pas cédé leur place ou bien leur intelligence ou leur expérience aux jeunes frères et aux jeunes cadets qui arrivent pour défendre les couleurs du Cameroun. Donc, Samuel Eto'o fils, un peu plus de responsabilité dans le poste que tu occupes. Reste dans la dynamique du management, donc de la gestion du protocole et des stratégies, les politiques, n'est-ce pas, qui permettent à asseoir, n'est-ce pas, un football internationalement reconnu et un football au niveau national, n'est-ce pas, qui produit les mêmes effets que la Champions League en Occident. Et voyez-vous, merci. Merci à Christophe Awo, merci à Ebossé, merci à Bouchou, merci à Choupo-Moting, merci à ce jeune Gom, merci à Anguissa qui a été merveilleux cette fois-ci. Poufaï et Nuitolo, c'est incroyable, ce sont des inconditionnels latéraux qui remplacent valablement nos amis Jérémy Nditape et Womelen et Oyongo Bitolo, qui certainement sont fiers d'avoir vu vraiment la relève s'opérer au niveau de ces flancs de latéraux et modernes. Et merci aussi à Koundé Malon, c'était incroyable. Un conseil finalement à l'endroit de Toko et Kambi. De la même façon, quand on parle de la discipline, pour reprendre Rigobertson, la discipline également concerne la discipline du jeu. La discipline, ce n'est pas seulement au niveau comportemental, au niveau des vestiaires, c'est-à-dire extra-terrain. Donc, même dans les gradins, en dehors de l'aire de jeu, la discipline est plus importante, la discipline du jeu. Et la discipline du jeu, telle qu'on a appris à l'ensemble des footballeurs, c'est le jeu collectif dont Toko Ekambi, il faut sortir de ce registre-là, de l'individualité, pour rejoindre l'équipe.
Parce que, selon Rigobert Banac le disait, on veut construire un esprit, on veut construire un groupe, on veut construire, n'est-ce pas, une idée autour, n'est-ce pas, d'un élément nouveau. Et l'élément nouveau, c'est la collectivité, c'est la collégialité, c'est l'évolution ensemble. Donc, l'individualité n'a jamais. Oui, ce sont des exploits, mais qui sont des exploits individuels. S'il y avait eu des centres comme celui du jeune Gomme de Colombes, je crois, Abousso ou bien Choupo-Moting auraient marqué autant de buts. Et c'était ce rôle qu'on a assigné à Toko Ekambi qui, malheureusement, n'a pas aidé beaucoup cette équipe. Bravo aux Lions Indomptables, bravo finalement au staff technique, Rigobert Song et ses amis. Et Abousso, pour moi, tu es le meilleur. Tu vas demeurer le meilleur. Tu as mouillé le maillot, mais le football, ça ne trompe pas. Vous jouez au niveau international et vous avez compris le faux pas lié certainement au choix technique parce qu'il n'y a pas d'autres arguments pour le justifier. Le football, ça ne blague pas à ce niveau, ça ne trompe pas. Et donc, revenez, soyez fiers. Les prochaines compétitions sont bientôt ouvertes. Et certainement, pour toi, Aboussous, tu prendras tes vacances, définitivement, tu vas déposer tes godasses pour laisser des jeunes s'exprimer comme le Swai Boumaru et compagnie. Et nous souhaitons le meilleur à Rigobert Song. Et voilà, merci de nous avoir fait vivre cette victoire avec le Brésil. Mais c'est dommage, le football également, c'est devenu une science, ce n'est plus des spéculations et le tâtonnement. Le football, ce n'est plus la chance. On ne se base plus sur ça. Vous avez vu comment les prestations des autres équipes se sont prononcées, surtout l'Asie et l'Afrique, avec le Sénégal et le Maroc. Nous aurons bien aimé accompagner ces deux équipes africaines en huitième de finale pour espérer au moins deux à trois places en quart de finale et en demi-finale et pourquoi pas en finale pour remporter pour la première fois la Coupe du Monde pour le cadre de l'Afrique. Donc, merci, bravo. Cher Lyon, nous sommes ensemble, nous allons demeurer toujours les supporters numéro un de cette équipe nationale, la seule chose qui nous reste au Cameroun.